ce 21e Carrefour de l'eau chez vous, donc ici à Rennes, avec grand plaisir. Merci, bonjour tout le monde et puis bienvenue effectivement pour ce 21e Carrefour de la gestion locale de l'eau. On a beaucoup de choses à dire sur l'eau. L'idée, c'est de partager un moment entre acteurs de l'eau, de l'entreprise, des territoires, des services publics globalement pour bien faire. Et donc, depuis plus de 20 ans, l'Agence de l'eau est un partenaire très engagé du Carrefour des gestions locales de l'eau. Mais c'est un projet fort pour l'équipe, toutes les équipes de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et qui à la fois contribue à nourrir sous forme d'ateliers, de réunions plénières. Des progrès ont été accomplis indéniablement et heureusement, mais nous sommes assez loin du compte. Et donc, ils œuvrent ensemble donc pour améliorer l'état des eaux et notamment la gestion des eaux transfrontalières. Je suis là pour vous parler de la GEMAPI. Derrière le terme générique de GEMAPI, qui veut dire gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en réalité, il y a deux compétences. Vous avez parlé du documentaire sur Arte, que j'ai vu également, qui parlait de la marchandisation de l'eau. Vous êtes plutôt pour la marchandisation de l'eau ? Je ne dis pas qu'on est à l'abri, mais on a quand même des modes de régulation qui permettent justement de concevoir un partage de l'eau qui ne va pas forcément être au profit que des plus riches. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce fameux soir, donc lancement du club des bonnes pratiques, économie d'eau et tarification, où nous accueillons, merci Madame la Ministre d'être présente ce soir. C'est un moment à la fois important et agréable pour moi parce que on a passé 6 mois au ministère à définir la feuille de route sur l'eau et à imaginer ce dont on avait besoin. Et donc on voit bien que c'est pas qu'ailleurs que la situation est tendue. La première chose à faire, c'est d'aller vers des solutions de sobriété et d'optimisation des services d'eau. Merci Thierry Blau, bon merci à toutes et à tous. Bonne fin de Carrefour et puis donc à très bientôt. Merci beaucoup.